quand l'OCA a décidé de proposer un cours d'improvisation en 2009. Au bout de cette première année est venue l'envie de monter sur scène, de proposer des spectacles. Je veux dire que ce qui nous anime tous, c'est la passion de créer des spectacles et retrouver le public. Pour moi, la principale difficulté, c'est oser se lancer pour ce genre de spectacle. Ouais, pour moi, ce serait plutôt faire face à l'inconnu, parce qu'on va des fois dans des thématiques ou des sujets dont on ne maîtrise absolument pas et voilà, et qu'on doit s'approprier. Moi je dirais apprendre à aimer la surprise, te laisser surprendre et surprendre les autres. Mon Dieu, l'écoute. Le partage. La passion. L'imagination. La spontanéité. Et la dérision. Alors bah, déjà nos projets seraient de remonter sur scène le plus vite possible, on aimerait bien. Oui, pour retrouver notre public quoi. Et même si on n'a pas d'atelier, on continue quand même de se retrouver. En ce moment là par exemple, on se retrouve autour d'ateliers d'écriture, c'est pas tellement improvisé mais ça nous permet de développer un peu un côté poésie qu'on n'a pas et on verra bien ce que ça va donner. Je veux des potes, de l'impro et un public en délire. Ok. Je veux un public en délire, des applaudissements et des rires. Je veux une salle de spectacle comble, de la bière et de l'émotion. Je veux de l'émotion, une comédie romantique et des cœurs qui tombent du ciel. Je veux que Nathanaël soit notre témoin. Je veux t'offrir une belle bague. Je veux qu'elle soit en or. Je veux qu'elle soit en or. Je veux que notre union dure toute la vie. Je veux que tout le monde soit présent pour célébrer ça.